Et salut salut tout le monde, ici Gustoil. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Don't Starve Shipwrecked. Alors, la dernière fois, nous étions allés sur l'île, ici, et nous avions pu aller prendre un petit trésor. Alors, déjà ça, toi, je suis désolé, mais tu vas mourir. Voilà, parce que je vais avoir besoin de nourriture. Alors, ça, je prends. Voilà. Donc, j'ai plus beaucoup de santé mentale, c'est la merde. Donc, je disais que j'avais pris le petit trésor qui se trouvait là. Et je vais revenir chez moi. Et je vais remettre des trucs dans. En ordre, on va dire, entre guillemets. Dans mes coffres. Alors, ici, je vois que j'ai tout plein de petits trucs qui pourront m'être utiles. Je prends tout. Je prends tout. J'ai une bonne embarcation qui me permet d'avoir pas mal de trucs. Donc il faut que j'en profite. Et je dirais même. Je vais même prendre ceci. Bon. Voilà. Non mais. Voilà. Donc je prends le corail parce qu'il va m'être utile pour faire de l'antivenin, et que jusque là j'en ai pas encore, donc ce serait bien d'en avoir maintenant, surtout que la saison de la mousson est la saison où les moustiques empoisonnés pop, donc ça veut dire que si j'en ai pas, je risque d'avoir des problèmes. Donc quitte à faire, autant en avoir. Par contre, je pense que de toute façon je n'aurai pas de j'aurai pas assez de glandes à venin, ce qui compte. Alors on continue. Je pille le corail. Voilà. Bon, on va laisser le reste là où c'est. Waouh, regardez-moi ça, mais c'est. C'est la mer de corail, là, je pense. C'est carrément une mer de corail. C'est énorme. Un moment. J'entendais mon voisin qui a ouvert sa porte et tout ça. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais si c'est le cas, bah, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Donc ici, on prend toujours tout ça. J'adore trop les nouvelles ombres qu'on peut voir. Ah oui, mais quel con. Voilà. Alors si on met normalement ceci avec, voilà. Ça permet de réduire l'eau, ce qui est important. Alors ici, on a peut-être une île là. Voyons voir. Bon, le problème que j'ai ici, c'est que ma santé mentale est vraiment basse. Il va falloir absolument que je trouve quelque chose pour empêcher qu'elle soit encore plus basse. Non, non, non. Désolé, mais je t'enlève. Voilà. Alors le limpette, j'ai pas de quoi le prendre malheureusement. Ça c'est le seul problème avec ce truc. Où est-ce que je suis? Il faudrait en fait que je le prenne parce que c'est très intéressant d'avoir plein de limpettes comme ceci. Bon, ça je vais l'enlever, hein, bizarre, c'est bête. Bizarre. Pourquoi bizarre? Voilà. Alors on va rentrer. Donc on va rentrer, même si la nuit va arriver, mais c'est pas grave, ça on a l'habitude à force. Alors déjà la bonne nouvelle, c'est que ça fait exactement ce qu'il faut. La mauvaise nouvelle, c'est que l'eau monte, mais elle monte rapidement. On a déjà plein de petites plaques ici. Alors, bon, oui, il y a toujours des éclairs dans cette période, mais c'est pas la période la plus dure à ce niveau-là. Le plus dur, en fait, c'était la période des ouragans qu'on a passé avec succès. Mais la saison des ouragans était vraiment pas la saison la plus dure, hein.
Dans Shipwrecked, les saisons les plus dures sont les saisons de la mousson, celles qu'on est en train de voir, et la saison de l'été. Mais tout est relatif. Alors, on arrive. L'éclair qui essaie de m'assassiner, mais ça ne marche pas. Ah merde, j'ai pas vu. Je suis trempé. Oula. Ah bon. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient là, eux. Ben, on va les attaquer, hein. Voilà. Comme vous voyez, c'est pas si dur que ça de les avoir. Oula. Aïe! Voilà donc, et il me reste ceci à avoir. Alors, il bouge pas. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Ah, mais allez! Voilà. Alors, vite. Vite, vite, vite. Les engrenages, je vais les laisser là pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà, donc mon île est en train de se faire inonder. Et j'espère que ça posera pas de problème. Alors voyons voir. Voyons voir où est-ce que ça en est. Les inondations et tout. Un moment. Alors, on va mettre ceci. Voilà. Alors, on va remettre ceci. Comme vous voyez, c'est ça marche, hein, malgré tout. Donc, ça on peut prendre, mais je vais pas en avoir besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Ah, ouais. Par contre, j'ai un problème, c'est que. J'ai laissé mes trucs de l'autre côté. Donc on va faire de la bouffe. Parce que la bouffe c'est important. Donc on fait ceci, on fait ceci, on va faire... zut, j'ai pas pris le reste. Mais tant pis pour la banane, j'ai envie de dire. C'est pas le plus important. Donc ici, le problème c'est que je n'ai que 3 or. Donc... ah. Ça ici on peut faire ceci. Voilà. Donc toi je te remets. Alors la pierre elle est là. Donc normalement si je dis pas de bêtises. 1 2. Ah je pense que j'en ai pas besoin de temps. Alors le plus important pour l'instant. Donc on va. Oula, ça bloque. Donc je mange. Je regarderai après pour... Ah oui, regardez. Regardez, ça commence déjà. Donc il faut absolument que... Que j'aille chercher mes affaires et tout. En sachant que... même si c'est inondé et tout, il n'y a pas de souci. Parce que je compte vivre ma vie en nomade dans cette période de l'année. C'est encore la meilleure solution avec ce personnage. Étant donné que ce personnage a peu... Ouais, ça je prends. Alors ça je vais remettre là. Bon par contre, le 134 c'est pas des masses quoi. Donc je disais, étant donné que ce personnage n'est pas dépendant du crockpot pour se faire les repas puisqu'il a son crockpot portable, rien ne m'empêche de tout simplement foutre les voiles et explorer le monde. Donc. Alors on va faire des vêtements. Voilà, donc ici. Encore, encore. Et j'en ai plus. Bon, c'est pas grave. Donc on va faire ici. Voilà. Et ici on va en faire du coup ben. Oula! Mais laisse-moi tranquille, voilà. Voyons.
C'est toi qui l'auras voulu, hein. Moi, je ne... Ah! Elle attaque! Elle m'attaque! Alors, attendez un petit moment. Ouais. Non, mais laissez-moi tranquille. J'aime pas hein, ces petites saletés, c'est des petites saletés. Voilà. Alors, on va se faire à manger. En sachant que j'ai encore des DB que j'ai pas pris. Hein. Alors, je vais me faire ceci. Ça me permettra de me soigner normalement, si je dis pas de bêtises. Alors, ici, étant donné que ça a quand même pu spawner ici, que les flaques ont pu se répandre jusqu'ici. On va faire comme ceci, voilà. Alors, oui. Donc, par contre... Non, ça va, ça pose pas de problème. Ça, je prends. Et c'est tout. Alors, au niveau des feux. Parce que c'est ça dont j'ai besoin. Donc, il m'en faut 4. J'ai laissé l'autre pierre de l'autre côté. Je vais aller la rechercher. Donc, ça, je vais manger direct. Voilà. Alors, oula, j'ai l'impression que ça a ralenti. C'est moi ou... J'ai l'impression que le jeu ralentit. Alors, donc, ça, je vais mettre là. Ça... Ça, je prends. Oui, on a entendu. On a entendu. Je trouve que ce truc-là, c'est vraiment génial. Pouvoir rester au milieu de l'océan la nuit, il n'y a rien de mieux. Donc. À un moment, je vais me moucher. Donc, vous allez m'entendre me moucher. Logique, quoi. J'ai envie de dire. Alors ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et ça j'ai fait. Alors. Donc, on va faire un petit feu plus ou moins par ici. Donc là, c'est la zone des feux. Et je pense que je vais me faire aussi en fait. Voilà, je vais me crafter directement un truc comme ceci. Pour en avoir tout simplement pendant la période d'été. Ce serait con quand même que je parte et que je n'ai pas ça. Alors ici, si. Il me manque une pour me faire en fait le top hat et qui serait génial d'avoir en cette période de l'année. Plutôt qu'avoir le... Donc ça je vais faire ceci. Voilà. Alors, avoir le top hat à cette période de l'année, ça me permettrait tout simplement... Mais de pouvoir remonter ma santé mentale beaucoup plus vite que ce que je peux le faire là pour l'instant. Alors ça on met, voilà. On met tranquille, pépère. Alors. Ouais, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. Donc celui-là, et celui-là ça va être pareil. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Je pense que celui-là c'est bon aussi. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Celui-là, je vais pas le faire parce que je sens qu'il va aussi se poser problème. Donc, on va faire ceci. Voilà. Et maintenant que c'est fait, donc on va déjà faire... Je savais que ça allait me faire ça, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Tout est prévu. C'est dans le plan. Le fameux plan. Celui... que je vous ai pas expliqué. Donc, on fait ça. Voilà. J'avais prévu le coup. J'avais prévu le coup. Tout est bon. Tout est bon dans le cochon même. Alors, on va continuer. Comme ça, je n'aurai plus de viande de monstre. Et c'est juste ce qu'il me faudra. Alors, par contre, je vais peut-être enlever mon truc. Parce que ça l'use, hein. Donc si je le fais,
Ça risque de poser problème. Alors, waouh, c'est quoi ça? Obsidian Fire Pit. Je pense savoir à quoi il sert cette, ce feu. Si je dis pas de bêtises, il va. D'accord, oui, non, j'avais oublié. J'avais oublié. Il n'y a pas de souci. Alors, j'aimerais bien voir. Donc, ça, on peut prendre. Est-ce que je peux. Non, je peux pas. C'est pas grave, on va remettre tout ça. Hop, et ça on le met là-dedans. Ces algues, on va les garder. Oui, on va les garder. Ça, je prends. Alors, la bonne bouffe lui remonte sa santé mentale, c'est déjà pas mal. Ah, et le jour va se lever, donc vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que nous allons nous laisser. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire le petit pouce bleu de l'amour, l'abonnement de l'amour, le commentaire de l'amour. Ça fait toujours plaisir pour celui qui fait les vidéos. Je vous dis donc à la prochaine. Bye !